Arrête, Bill, t'es grave. Bon, je vous prends. Je sais pas si je vais faire un petit vlog sur la journée ou si je vais le faire sur plusieurs jours. Je sais pas encore. Je suis pas chez moi. Vous l'avez vu, hein. J'étais retournée chez ma mère parce que mardi, on a été à Paris. Du coup, j'ai dormi là. On est allé voir l'exposition du Titanic. Donc, j'ai pas filmé pour YouTube. En fait, si j'ai filmé, mais en format, vous savez, format Insta, tout ça. Donc, j'ai pas filmé en format vlog. Je pense que je vais vous mettre la vidéo, même si c'est en format comme ça, dans ce vlog. C'était tellement bien. Franchement, ça a été nickel. Bon, on a pris le train. C'était bien, franchement. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Ça a été nickel, le métro. Je me suis dit, je vais pas m'en sortir. Au final, c'était parfait. Enfin, il n'y a eu aucun problème et tout. Je me suis bien retrouvée et l'expo était vraiment bien. Je sais que aller jusqu'au premier, après c'est fini. Mais vraiment, c'était une expérience. C'était hyper émouvant. J'ai eu des frissons, franchement, parce que moi, je suis, vous savez sûrement, une grande, grande, grande fan de Titanic. Et là, ouais, c'était vraiment sublime. On a touché l'iceberg. L'iceberg, pas. Non, mais le froid qu'il y avait. Bah. Les gens, ils arrivent à montrer leurs mains. Oh, ça fait du bien. Sublime. Mais la plus belle pièce de l'exposition, c'est vraiment le grand escalier. Oh là là. Mais vraiment, quand on rentre dans cette salle, on a l'impression d'être comme dans le film, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Il y avait la musique et tout. Enfin, c'était magnifique, magnifique. J'y suis allée plusieurs fois dans cette salle tellement que c'était beau. Il y a aussi une reproduction des couloirs avec les chambres et tout. Enfin, les cabines. Super émouvant. C'était vraiment un super moment. Alors, il y a eu une boutique souvenir à la fin. Évidemment. J'aurais bien aimé une magnette pour le frigo, hein, mais il n'y en avait pas. Enfin, il y en avait, il y en restait. Mais franchement, elle était pas belle, celle qui est restée. Je me suis quand même pris un souvenir dans les trucs les moins chers. J'ai pris ça. Décoration de sapin. Je la mettrai dans mon sapin, évidemment, cette année. Et je la garderai hors Noël. Hein. C'est vraiment très, très joli. Il y avait aussi des journaux, vous savez, les journaux. Bah, qui était sorti à New York le lendemain du naufrage. Une reproduction et tout, c'était très très joli. Il y avait deux feuilles, quoi, c'était 10 euros. Bon, je me suis dit, ok, je me serais écouté, j'aurais tout pris. Mais genre, j'avais pas l'argent pour tout prendre, hein, même pour prendre un verre. Genre, j'avais vu un verre, un super beau verre avec une gravure dessus en relief du Titanic et tout, c'était 35 euros. Pour un verre, non, non, non. Du coup, j'ai pris ça, que j'ai quand même payé 15 euros, c'est assez cher. Mais j'ai envie de dire pas tant que ça, parce que quand on regarde les espèces de charmes comme ça qu'on met dans les sapins, par exemple de Disney et compagnie, c'est genre dans les 10-15 euros, il me semble peut-être, voire 20. Donc c'est pas si cher au final. Non, ça va. Enfin, c'était une super bonne journée. Il y a eu du retard dans le train au début. On a eu une demi-heure de retard. La gare de l'Est, parce que oui, moi j'arrive aux gares de l'Est, hein, vu que je suis dans l'Est. Rien que la gare, on a envie d'y passer la journée tellement qu'il y a de choses à voir, quoi. Donc oui, Paris, on y retournera, ça c'est sûr. Pas maintenant, mais on y retournera. Et voilà. Donc je vais vous mettre la petite vidéo. Thank you.
sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par contre, j'ai été voir pour un matelas. Parce que là, c'est bon, je peux plus dormir comme ça. Je dors sur le sol, j'ai plus de lit. Chez ma mère, c'est pareil. Mais je dors quand même mieux ici que chez moi. Parce que oui, je dors par terre chez moi sur un matelas. Mais un matelas qui est extrêmement vieux. Il a sûrement mon âge. Oui, il a sûrement mon âge ce matelas. Parce que c'était à ma grand-mère déjà ce matelas que j'ai récupéré. Et ça fait au moins 15 ans que je l'ai. Ouais, peut-être pas 15 ans, mais on n'en est pas loin. Il est comme ça, en épaisseur. J'arrive à le prendre comme ça. Et par-dessus, j'ai un espèce de surmatelas, mais comme ça, là. Je dors trop mal. Même mes oreillers, il faut que j'achète des oreillers. Parce que, en fait, j'ai acheté une couette dodo. Il y a des oreillers à l'intérieur, mais les oreillers sont tout mous. Genre, je sais pas, vraiment, on s'allonge dedans, il n'y a pas de maintien, quoi. Moi, j'ai besoin de maintien. Donc, faut que je me rachète tout niveau literie. Et alors, à Leclerc, il y a des promos en ce moment. C'est le sommier, le matelas. Mais il faut que je rappelle aujourd'hui pour savoir combien c'est la livraison et tout. Et bah, je vais me le prendre. Par contre, ça va être très chiant. Ça va être pour monter chez moi le sommier. Sais pas comment vous expliquer, mais en fait, mon escalier, genre, il est un peu. Il tourne un peu. Mais c'est même pas ça le problème. Parce que oui, ça, c'est un problème. Parce que l'écart qu'il y a. C'est impossible de faire entrer un sommier, mais même la hauteur, au niveau de la hauteur et tout, il y a un passage tout bas. Sais pas comment vous expliquer. Je suis pas chez moi, je peux même pas vous montrer. Mais du coup, faut le passer par la mezzanine. Et à bout de bras, le porter toute seule en l'air, et quelqu'un en haut qui le rattrape toute seule à bout de bras, ça va être très compliqué, donc je ne sais pas comment je vais faire. Mais il faut absolument que je change de lit parce que je me rends compte que oui, la santé ça joue, que je sois fatiguée. Le SOPK ça amène de la fatigue chronique, c'est un des symptômes. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis molle la journée, que j'arrive pas à faire ce que j'ai à faire parce que je ne suis pas reposée. J'ai remarqué même en vidéo, je sais que j'ai pas un tempérament d'hyperactive, hein, je suis pas quelqu'un, une pile quoi, même quand je parle tout ça. Mais comme je suis molle depuis plusieurs mois, mais vraiment molle. Je me dis la fatigue en fait, la fatigue. En fait, j'ai pas le sommeil réparateur. J'ai bien dormi pendant une semaine, c'est-à-dire quand j'étais en vacances. Ah bah c'est pour ça, pendant une semaine, j'ai marché, marché. Enfin, c'était bien parce que j'avais la faim, je récupérais la nuit, donc je pouvais faire plus de choses et tout. Mais là, la journée, je me traîne, j'ai envie de rien, je suis KO technique. Donc déjà, ça, c'est pas possible, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport au poids? Je me suis pesée ce matin. Je suis à 2,5 kg en moins. Je suis super contente. Après, le truc, je sais que, en fait, je mange presque rien. Alors, par contre, à Paris, je mélange tout. À Paris, où on a mangé, les gens étaient adorables, mais c'est le genre de truc d'attrape-touriste. C'était vraiment pas bon. Enfin, pas bon, genre, c'était mangeable. J'ai mangé la moitié de l'assiette. Mais là, en ce moment, j'ai plus d'appétit. J'ai pas faim. Je me force à manger un petit peu, mais je mange vraiment, c'est même plus des petites quantités à ce stade. Et c'est pas que je veux pas manger pour maigrir et tout, c'est je suis vraiment pas bien dans ma tête. Et ça a passé un stade au-dessus parce qu'en fait, quand je suis pas bien par rapport à mes émotions, tout ça, j'ai tendance justement à vouloir manger du sucre pour m'apaiser. Mais quand je passe à un stade au-dessus de mal-être, ben, ça me coupe carrément l'appétit. Et là, en ce moment, je vous avoue que je suis dans une période, ça se voit pas forcément en vidéo et tout. Puis j'ai pas envie d'en parler tout le temps parce que bon, se plaindre, tout ça, machin, enfin. Après, ma chaîne, c'est aussi pour parler de tout ça. Comme j'ai déjà dit, c'est un journal intime, je parle de ma santé. Pas que par rapport à SOPK, je parle aussi de ma santé mentale, quoi. Et c'est vrai que j'essaie de pas trop en parler, mais en ce moment, c'est pas la joie, quoi. Alors, je sais que on est beaucoup dans ce cas, mais même par rapport aux gens qui m'entourent, ça je vous en ai déjà parlé, mais je veux dire, il y a des trucs qui me gavent. Je me tais parce que en fait, en vieillissant, personnellement, j'ai appris à me. Pas, je m'en fous, mais genre, j'en ai marre des conflits inutiles, en fait.
J'ai pas envie de... En fait, je suis déjà assez stressée, énervée. Des fois, j'ai pas envie de m'énerver pour des cons et des connes. Surtout des connes, à vrai dire. Parce que je m'entends très bien avec les hommes et amicalement, tout ça. Et j'ai rarement eu ce genre de conflit avec des hommes. Mais les gens qui sont supposés être proches de vous, mais qui vous claquent des pics dans la tronche, qui essayent de vous rabaisser, ce genre de choses-là. Et qui pensent que je suis débile et que je fais style, oh bah non, en fait, t'es gentil, je marche dans ton jeu, mais je suis pas débile, hein, je vois ce que vous essayez de faire, c'est juste que j'ai pas le temps, en fait, pour vos conneries. Hein. Mais oui, il y a beaucoup de gens autour de moi qui essayent de me foutre plus bas que terre, qui essayent de me gâcher le moindre truc de bien qui m'arrive ou que je fais. Et le problème, c'est que je suis, comme je vous ai dit, une cocotte minute. Je prends beaucoup sur moi, comme je dis, j'essaye d'éviter le conflit au maximum. Parce que, franchement, est-ce que ça en vaut la peine de se bouffer la santé? Mais au bout d'un moment, ça pète, quoi. Alors, je laisse beaucoup de chance aux gens. Parce que moi, c'est vrai, quand j'ai des liens avec des personnes, j'ai du mal à m'en défaire parce que, bah, j'ai un cœur, quoi. J'ai eu un appel. J'ai du mal à m'en défaire parce que j'ai un cœur. Quand je suis attachée à une personne, elle me manque, la personne, si je lui parle plus et tout. J'ai beaucoup du mal à intégrer, genre, le fait que quelqu'un que j'aime, entre parenthèses, me veuille du mal, soit toxique pour moi. Et comme j'ai un problème de dépendance affective, depuis toujours, et ben j'ai du mal à me décrocher des gens, à les complètement les oublier. Je sais qu'il y a des personnes, ils peuvent effacer quelqu'un de leur vie, pas en claquant des doigts, mais... Genre, ils prennent une décision, ils reviennent pas dessus, et puis tant pis. Mais moi, j'ai tendance à retourner vers mes bourreaux. C'est bizarre, hein? C'est se faire du mal gratuitement. Enfin, la psychologie, c'est tellement compliqué. Mais ouais, faudrait peut-être que j'évolue là-dessus. Mais c'est pas évident, hein? Mais après, y a pas que ces personnes-là, hein? Y a d'autres personnes aussi, le genre de personnes qui guette toute ta vie. Alors oui, je m'expose sur les réseaux. Et les gens que je connais à peine, je comprenne qu'ils me parlent pas spécialement. Mais il y a des personnes proches de moi qui me suivent et qui regardent tous mes faits et gestes sans jamais me parler, me dire bonjour si je suis en live ou mettre un petit cœur sur une publication. Je sais pas, c'est des gens que je connais dans la vraie vie, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si vous comprendrez tout ce que je dis. J'aimerais faire des vidéos sur ce sujet. Je vous l'ai déjà dit, hein, je voulais éviter ce sujet, mais ça me concerne tellement. Mais genre la toxicité des gens autour de moi. Je pourrais en faire des tonnes de vidéos, des épisodes carrément. Parce que j'en ai eu toute ma vie et ça continue, quoi. Je les attire. C'est ça le problème, je les attire, ces gens-là. Enfin bref, du coup, pour en revenir au poids, donc j'ai perdu 2,5 kg. Je suis contente. J'étais remontée à... 131,6. Donc beaucoup plus haut que ce que je faisais avant le challenge. Et là, je suis... Enfin, j'ai eu peur, je crois qu'il y avait une bête. Je suis redescendue à 129,1. Et je vais pas me peser tous les 4 matins. Là, ça faisait 3 jours, 2-3 jours, je m'étais pas pesée. Mais... Ouais, j'ai plus d'appétit, là. Parce que je suis pas bien. Mais bon, je vais pas pleurer, me plaindre à 24, hein. Mais je suis pas bien. Donc, bon, déjà, quand j'aurai un lit, je pourrai dormir et de pas bien dormir, de pas avoir de sommeil récupérateur. Ça joue aussi sur la corde sensible, hein. On est plus fragile, en fait. Donc, je pense que quand je pourrai dormir correctement, ça ira mieux. Et sinon, j'ai hâte de faire ma déco d'automne, tout ça. Vraiment hâte. Voilà. J'ai oublié de vous dire un truc au niveau de l'expo du Titanic. À la fin, il y avait un hommage pour, je ne sais plus son nom. Vous savez, la personne qui est décédée cet été dans le sous-marin, le plus grand chercheur du Titanic, plus grand spécialiste du Titanic au monde, d'ailleurs, je crois. Il y avait un hommage à la fin, vous savez, oui. Je vous ai montré où il y a les écrans où ils passaient les images, les vraies images. Donc c'était vraiment émouvant et au niveau des vitrines, voir les objets, c'était incroyable. Vraiment incroyable.
Et le pire, c'était à la fin quand il y avait la photo sous le Titanic, enfin, les photos là dans le Titanic, quand ils ont trouvé les objets, et juste en dessous, il y avait la vitrine avec l'objet en question. C'était vraiment, c'était fou quoi en fait. Voir, il y avait une valise, je vous ai pas tout filmé, hein. J'avais pas tout filmé non plus. La vaisselle, les effets personnels, les papiers, tout ça, les lunettes. Enfin, c'était incroyable. Et je pense d'ailleurs que c'est cet homme-là qui a rapporté, est-ce que je sais qu'il a rapporté des milliers d'objets du Titanic. Je pense que la plupart étaient de lui. Et ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc c'était vraiment bien. Je trouvais ça super. Je suis en train de regarder les rushs pour faire le montage et je me rends compte que pour le lit, je vous ai pas dit pourquoi je suis restée chez ma mère. Parce qu'en fait, je me suis bloquée. Là, ça va mieux, mais j'étais complètement bloquée. J'ai encore mal au cou. Je pouvais même pas tourner la tête. Bloquée de là jusque au milieu du dos, l'épaule, l'omoplate, tout bloqué. J'avais trop mal. Hier, je souffrais. Laisse tomber. Et aussi pour le Titanic, encore une fois, mais j'oublie tout. C'est pas possible. Quand on arrivait, on avait une petite carte d'embarquement. Et à la fin, vous aviez un tableau. On le voit dans la petite vidéo. En fait, il y avait les noms de toutes les classes, toutes les personnes, enfin tous les noms des personnes qui étaient dans chaque classe et l'équipage. Et en fait, derrière, il y a écrit la personne, pourquoi elle était là. Et à la fin, vous aviez le tableau pour voir, enfin, si vous étiez un rescapé ou un naufragé, quoi, en fait. Donc, enfin, pas un naufragé, mais je sais pas. Genre, vous étiez décédé, quoi. Donc, moi, j'ai regardé. Donc, la personne que j'ai eue, c'est quelqu'un de 18 ans. Qui voyageait depuis l'Argentine, il s'appelait Edgar Samuel Andrew. Je l'ai trouvé directement, il était le troisième dans la ligne. Il était en seconde classe et sa raison, c'était pour assister au mariage de son frère aux États-Unis. Étudiant en Angleterre à l'époque, Edgar envisageait de rester pour travailler au sein de l'entreprise de sa belle-sœur Fisher et Norris Anvil Works à Trenton dans le New Jersey. Donc, fait concernant sur le passager, Edgar avait initialement réservé son voyage sur l'Océanique qui devait partir une semaine plus tard. En raison de la grève du charbon, il a été contraint de naviguer sur le Titanic afin d'arriver à New York à temps pour le mariage de son frère. Donc moi, il était en seconde classe et il était décédé malheureusement. Ça m'a fait très mal au cœur. Du côté de ma mère, la liste était hyper longue parce qu'elle est en première classe. Non mais c'est abusé, moi j'étais en seconde. Et la liste était tellement longue en hauteur et on a toutes les deux des problèmes de vue. Alors on a galéré, on l'a pas trouvé. Mais du coup, ouais, ça m'a fait très mal au cœur d'avoir eu ce jeune homme de 18 ans. Et ce qui m'a fait mal au cœur, je sais pas si vous l'aurez vu, mais ça on le sait d'avance, c'est la liste des passagers de première classe. Il y avait aussi les menus. D'ailleurs, je finis ce que je dis, après je vais vous dire autre chose pendant que je l'ai dans la tête. Les personnes qui ont le plus disparu en mer, bah, ce sont les troisièmes classes et l'équipage. La liste était impressionnante en première classe et seconde classe. Première classe, ça allait, il n'y avait pas tant de disparus. Seconde classe, pas mal quand même, mais troisième classe, évidemment. Les pauvres en pâtissent toujours, hein. Ça n'a pas changé au final, hein. Mais ça fait mal au cœur de le voir, voir tous les noms et tout, enfin bref. Et du coup, je voulais vous dire, oui, parce que j'ai aussi des photos de les menus qu'il y avait en première classe et seconde classe, la différence, tout ça, c'était vachement intéressant. Et c'est pour vous dire, suivez-moi sur Instagram, parce que quand j'y suis allée, j'ai posté des photos toute la journée. Il y a des choses que j'ai pas mis en vidéo, que j'ai mis en photo. Donc si vous voulez voir plus de choses, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je mets des trucs exclus et je mets des trucs aussi avant de les mettre sur YouTube. J'ai pas encore créé mes stories à la une parce que je me suis rendu compte, j'en ai effacé plein. C'est pour les laisser en permanence, évidemment. Mais en fait, j'ai fait ça à l'envers. Donc faut que je les refasse toutes. Mais je ferai aussi une story à la une spéciale expo du Titanic. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis désolée hein, parce que vraiment, je m'en mêle un peu les pinceaux. C'est quand je regarde les rushs que je me rends compte de. J'ai oublié de vous dire plein de choses. Mais là, je pense que c'est bon.